Mais Michael, ta psy est arrivée. Ah, on reprend finalement le papier peint. Oui. La première est installée. Très important, on l'a mis de niveau. Comme ça, on peut continuer. C'est sûr qu'il n'y a pas de motif, ça va plus vite. Mais un raccord, vous voyez comment vous avez une tapisserie de qualité. Le raccord se fait très bien. Okay. Vous l'avez trouvé tout de suite. Wouhou! OK, donc là, on a coupé notre laisse. Fait que là, ça devient notre modèle pour les deux prochaines laisses. Trouver le même dessin. Fait que là, on voit qu'on va avoir de la perle. Ça, c'est de la perle. Là, nos trois laisses sont coupées. Un truc. C'est roulé à l'envers pour enlever la courbe. L'envers. Vu que c'est un papier pris en collé, tu te dilué, ça colle avec de l'eau. C'est bien ça? C'est ça. Fait que t'appliques ça au rouleau? Oui. On l'applique uniformément. On replie. Comme ça, mais ça va bien se redécoller après. Absolument. On a environ 5 minutes qu'on doit laisser travailler le papier pour prendre son expansion. On tient notre tête de l'aise. Mais là, on va descendre. Ah! C'est simple. On vient sans trop chercher à avoir la perfection au début. Ça glisse encore un petit peu, hein? Oui. On peut le travailler. Bon, on veut que notre papier peint glisse, alors on trempe notre serviette. Un linge humide. Une fois que tu as fait ton raccord, là, Michael, tu viens faire quoi avec le reste du papier peint? Pour... Le glissoir. On va chasser l'air. Pour faciliter la glisse avec le glissoir, avec une serviette humide, on glisse comme ça, léger. Faut pas être pressé. L'important, c'est de très bien se partir. Si la première laisse, elle est bien droite, et qu'on réussit à jointer les joints, on n'a pas de trouble ensuite. Merveilleux. Félicitations. Qu'est-ce que t'en penses? J'approuve avec mon saut. Oh, bravo! Après seulement deux morceaux, on va être approuvé par le prix. Alors, pour plus d'informations sur l'installation du papier peint, rendez-vous sur le site de canalbi.com.